Bonjour à tous, écoutez, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir soulager des douleurs. C'est très simple, si vous utilisez en fait des huiles essentielles qui sont anti-inflammatoires et antalgiques. Je vous explique ici rapidement comment faire dans ce format court de moins de 1 minute, la minute essentielle. La Golteri couchée est l'huile essentielle la plus connue et la plus utilisée contre des douleurs, et elle est parfaitement adaptée pour faire des massages. La Golteri couchée s'utilise par exemple pour des crampes, pour des entorses, une tendinite, de l'arthrose, sciatique, torticolis, mal de dos, etc. Pour utiliser cette huile essentielle, diluez-la dans un peu d'huile végétale. Vous avez par exemple le macérat d'arnica qui est parfaitement adapté pour préparer votre huile de massage. Cela, mélangez dans un flacon vide 20 gouttes d'huile essentielle de Golteri dans 30 ml d'huile végétale d'arnica. Mélangez bien votre préparation et votre huile de massage est prête à l'utilisation. Quelques petites contradictions avec la Golteri, elle est notamment déconseillée pour les personnes allergiques à l'aspirine ou prenant des anticoagulants. Elle est aussi à proscrire pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 6 ans. Les huiles essentielles sont également performantes si vous les ajoutez à votre huile de massage pour avoir de meilleurs résultats selon les cas. Et vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur mes packs douleurs sur ma boutique. Vous avez les liens dans ma bio sur Instagram ou dans la description de cette vidéo sur les autres réseaux sociaux comme YouTube par exemple. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique natureessentielle.com. Vous y trouverez des huiles essentielles, des huiles végétales, des eaux florales et puis des soins de beauté. En tout cas, j'étais très très ravi de faire cette courte vidéo. Portez-vous bien, un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir pour faire connaître ma chaîne. Et je vous souhaite une très belle journée.